n'ai pas à choisir entre Mali et Madini. Nakayono de tout Adem Adissia. Mori, bien connu dans le monde du reggae dancehall français, il fait partie du groupe Raga Sonic, qui ont sorti 3 albums, mais sa carrière ne se résume pas à cela. Voici son histoire. Déjà à l'âge de 16 ans, il arpentait les sound system et il enregistrait sa première dub plate pour le sound system Blues Party. Il intègre le groupe Drop the Lyrics, puis il participe à la création du Sanjata Sound System, où il rencontre notamment Big Red. Ils en font partie de 90 à 93. Ils jouent partout, même dans des endroits incongrus. Qu'est-ce qui reste en toi de toute cette période? Il y a le Sanjata aussi, il y a tout ouais, ça. Ouais, le Sanjata de 90, 91, 92, 13. On a joué, mais un nom incalculable de fois avec eux. Avec Big Daddy, avec J-School, avec Selector Echo, c'est dangereux. De 95 à 97, il sort 2 albums aux côtés de Big Red au sein de Raga Sonic. En 98, les premières tensions apparaissent au sein du groupe. Mori, suite à des problèmes de justice et une incarcération pour détention et consommation de marijuana aux Antilles, est éloigné des scènes. Ces quelques mois de prison lui ouvrent les yeux sur certaines choses et en sort différent, et à sa sortie, le groupe se sépare et commence sa carrière solo. Qu'est-ce que la prison t'a apporté de positif finalement, et en quoi ça t'a fait évoluer sur ces choses? La prison m'a beaucoup appris. Ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de requins qu'il y avait autour de moi à cette époque. Malheureusement, c'était un bien pour un mal. En même temps, ça m'a permis de faire le ménage autour de moi. Mais pour en revenir pour la cause pour laquelle j'étais enfermé, c'est-à-dire la marijuana, c'est clair que pour moi, j'ai compris depuis tout petit que c'était pas quelque chose de mauvais pour la santé. Après, ça dépend de la façon dont tu la consommes. Aujourd'hui, c'est reconnu par des grands scientifiques que le THC, parce qu'on va parler avec les termes un peu, est bon pour la santé. Le CBD est bon pour la santé aussi, ça a des effets thérapeutiques. Ça n'a jamais tué personne. I'm back. En 2000, il rejoint le collectif de Pierre-Paul Jacques, Plus de Cœur et Gat Soleil, où il enregistre le reggae et chanmé, ainsi que Je suis un Rastaman. En 2002, on peut le voir sur la grosse production française sur les Savage Redeem, produit par Make It Happen avec le titre Big Fire. En 2003, son album sort enfin, un album dans le pur esprit reggae avec des connotations hip-hop. On ressort quelques titres bien lourds et conscients, des titres comme Ma voix résonne. Le soleil se couche. Le soleil se couche sur la ville de Sémiassène. Le soleil se couche sur la ville et tout le monde se croise dans un palais des plus subtils. Pour soi et surtout chacun chez soi. Et j'entends toujours les pleurs des gens en bas de chez moi. La grosse bombe, range ton couteau. T'es capable de tuer pour une histoire d'ego. Oh. Range ton couteau, range ton gun, arrête de tuer les gens pour le fun. Tu ferais mieux de protéger tes égos. Trop de gunshots dans les cités, les lascars sont énervés. Je sais pas quand est-ce. Et le titre plutôt raga hip-hop avec un featuring Bustaflex, ambiance. Hip-hop reggae vibe, check le sky bébé. L'ambiance est nice, l'ambiance est sweet. Je donne la couleur tout de suite. Original ragamuffin fait bouger les foules. Comme dit le disque, ta journée a été dure, ta nuit sera fouada. L'ambiance est hip-hop raga, Mori et Flex Busta. Je suis de la new school, mais je respecte la old school. En 2004, il participe à la bombe dancehall, le Axia Redeem. Toujours produit par Make It Happen et sort le titre Sound System. Il participe aussi à l'album Odyssée de Passy et pose sur le titre Plus de Soleil. Du soleil.
sort aussi sur le label Bakshish un single vinyle Dancehall Time avec Matt Killa en face B. Dancehall Time, c'est le Dancehall Timing. Y'a que les ragas m'ont fait qu'ils leur donnent bonne mine. Non, pas les passer, bah j'en vois beaucoup trop par ici. Les routes boyeux balinés, si j'aime aussi fumer la scène. Il lui enchaîne par une grosse tournée dans les Dumtum, là où ses productions sont loin d'avoir passé inaperçues. En 2017, sort son deuxième album Reality, un gros titre dénonçant les conflits en Afrique, Seigneur de guerre. Tant qu'il y aura des guerres, les seigneurs de guerre vivront une vie pépère. Yes, oui. En Afrique, font que les seigneurs de guerre s'enrichissent, et ça se passe de père en fils. Ils vendent des guns, sans vergogne depuis l'Hexagone. Un titre pour la jeunesse avec plus de love. Plus d'amour pour les jeunes, plus d'éducation, moins de violence, il faut les éloigner des guns. S'il faut pour les enfants d'aujourd'hui, c'est plus de love. La violence que des histoires de guerre, on peut pas les laisser faire. Un gros feat avec Tyro et Hulk Henry, ce n'est pas à toi. Mes mains sont faites pour palper les euros, je kick le game. Tu te voyais en haut du podium avec une médaille d'or. Tu fais tu restes fort, il faut surtout pas perdre le nord. Un gros titre bien roots avec System et quelques feats avec Hakim, Lorco City, Voicemail ou encore Mokobe. Un système où l'on t'apprend à cultiver la haine. Beaucoup d'entre eux sont bloqués, pris dans ce système. Martinique et Guadeloupe, A et Guyane. N'ayez pas peur de vous tenir la main. Nous sommes des morts et prêts à qu'elle fait répéter ta gaine. C'est real, bla bla bla. Ils m'attendent pas qu'elle ça provoque. Sans parler de l'état qui ont toutes nos têtes en stock. Old school, new school, levons-nous, battons-nous, serrons-nous les gounis. L'allons tout baiser comme Montana Tony. On veut du cash de la bonne, bonne, 17 ans derrière le chrome. En 2008, il sort un gros projet intitulé Anthologie, avec 3 disques et un DVD. Une compilation de ses meilleurs titres, l'album Ma Voix Résonne en version longue et un gros mix du DJ Moody Mike, ainsi que le DVD live d'un concert privé plus un concert au Sénégal. On peut le voir aussi sur la compilation de Make It Happen à La Guess aux côtés du groupe jamaïcain T.O.K. avec Take Your Home. De 2010 à 2013 environ, il reprend sa place au sein de Ragasonic. Il enchaîne une tournée de 2 ans, puis enchaîne avec un troisième album, Ragasonic 3. En 2012, il participe à l'album accompagné du livre Génération H, avec le titre Appel du 18 juin. Laisse-moi allumer mon chalice, donne-moi un ganja, sprit la ganja, doit continuer à bouler. J'abats tous les vendeurs de crack sans épis. La meca dans les ghettos détruit beaucoup de vie. Je fume la ganja, je fume pas de bidis. Dans tous les pays où je vais, j'alimente. T'as vu, c'est dur de faire, après légaliser la ganja, de faire des ganja tunes, tu vois, surtout quand t'as fait un morceau comme Légaliser la ganja, que voilà, c'est devenu l'hymne national de la ganja. Bah t'as vu, j'aime tellement la ganja que, comme je te dis, je peux faire un double album que sur la weed. 10 morceaux sur la sativa et 10 morceaux sur l'indica. Ils aimaient. En 2016, il revient en solo avec l'album Travail d'artiste, avec des gros producteurs aux manettes, King Stubbies, Steven McGregor ou encore Frenchy. J'ai taffé avec Frenchy, hein, bien évidemment, le producteur de tous les albums de Ragasonic. Il a aussi un label qui s'appelle Maximum Sound. Et j'ai taffé aussi avec TG Records et Chimney Records. Pour les connaisseurs, ce sont vraiment des gros producteurs en Jamaïque qui c'est eux qui font la pluie et le beau temps au niveau dancehall en Jamaïque en ce moment, quoi. Donc ouais, c'est un album, j'ai mis mes tripes. C'est sorti sur mon premier label que j'ai sorti, Dante Records. Je suis producteur, là j'ai vraiment l'étiquette du producteur sur ce coup-là. Un truc que je n'ai jamais eu avant. C'est la première fois que je produis un album, c'est un très très gros travail. Et cet album-là, on va dire que par rapport à mes autres albums, mes 4 autres albums solo, c'est l'album le plus abouti. Dans le sens que, tu vois, je suis la direction artistique, c'est moi qui a géré tout de A à Z. Je me suis vraiment pris la tête pour avoir un album cohérent,
et abouti. Tu vois, Travail d'artiste, c'est vraiment mon album. C'est mon bébé, j'ai mis mes tripes. Et, franchement, je suis assez fier du travail. Toi, c'est un truc, c'est une aventure qui m'a très très dur. Ça m'a donné beaucoup de travail, ça m'a donné mal à la tête. Mais en fin de compte, j'ai envie de le refaire maintenant. Je te jure, ça m'a donné goût. Toi, tout travail, tout processus que je connaissais pas avant. On ressort les petites roots, reality and culture. Ma musique reflète la réalité. Reflète la réalité. Musique de qualité, pas de moralité. Je viens de l'école. Des sons de système. Dans nos sons, n'avait pas de slackness DJ. Strictly roots, culture et réalité. Un feat avec Massica, Deux Chemins. Ils me font tous rire à se prendre pour des Illuminati. Pathétiques, ils sont plus petits que Mimimati. Change, mais nous, on ne change pas. Oh yeah. Je sais qui je vais, n'a pas besoin de faire les 100 pas. Ahmed, un VR. Quand des systèmes, c'est un VR. Et je compte retourner en Jamaïque là bientôt parce que il y a des choses à faire. Ils veulent vraiment qu'il y ait une connexion entre les Français et la Jamaïque là-bas. Ils veulent vraiment faire des choses parce que quand je leur ai emmené le morceau avec Massica, même si le refrain il est en français et qu'il n'y a que les couplets à Massica qui comprenaient, ils kiffaient la tune. On m'a appelé là récemment pour dire qu'il y a un frère qui est à Montégobé, il a entendu Deux Chemins à Montégobé, tu vois. Donc ça me fait plaisir, c'est des trucs, c'est la Jamaïque, tu vois, faut dire, rien n'est impossible dans la musique, il suffit d'y croire, et voilà quoi, il suffit d'y croire et travailler dur. Big up la Jamaïque, et big up tous les boss de Jamaïca. Un autre titre en feat avec Summer, Mauvaise Réputation. Oubliez les vieilles vies et les skates, mais je resterai un road boy for life. Ou encore le titre Partir trop tôt en hommage aux jeunes morts trop tôt. Partir trop tôt. Je t'ai vu la veille dans un sonde avec ton crew. L'ambiance était nice. Tu vas manquer à tes soeurs, tes frères. Tu vas manquer à tous tes amis. Et un titre plus personnel, Je suis malien, ses racines. Le Mali, c'est la terre de mes ancêtres. Quand je vois certains Antillais refuser leur africanité, obligé de me dire où attachir. Je suis malien avant d'être français, même si ça gêne. Mon nom est malien, même si en France ça me freine. Un album reggae dancehall, toujours fidèle à son style. En 2018 sort un album Maury, et en profite pour sortir une mid à son nom, la Maury Cuge. Et les graines sortent au Canada, accompagnées d'un titre du même nom. T'as vérifié, ma weed c'est de la bonne. Je ne mens jamais, je suis un honnête homme. Maury Cuge. Comme un doux parfum, elle va les envoûter. Son goût est si parfait, tout le monde voudra y goûter. Et je me battrai jusqu'à la fin pour la weed. D'ailleurs, j'ai sorti ma première variété de weed qui s'appelle la Maury Cuge, you know, que je vais distribuer au Canada. So big up tous les Canadiens. Enough respect, Rastafari. Il reçoit le prix de meilleur album reggae de l'année par le biais du site reggae.fr. On y retrouve des titres plus personnels avec Life Story. Je suis né à Paris en 1973, 83 l'année où j'ai perdu mon père. Déscolarisé trop tôt, je vendais de la BR. Chanter pour le peuple sans intermédiaire. C'est ma Life Story. C'était Matt. Donc là, on a écouté Life Story, c'est le premier morceau, on va dire que c'est le curriculum vitae. Yeah, c'est un exercice que tu maîtrises, on se rappelle de Rappelle-toi de l'année 19, tu vois. Tout ouais, ça, mais t'as vu, j'ai jamais. C'est vraiment un album où. C'est vraiment un album intimiste. Intimiste, ouais. Oui. J'ai jamais réussi à faire cet exercice-là dans les albums précédents. C'était un truc qu'on me demandait de faire à chaque fois et j'y arrivais jamais. J'ai jamais réussi à parler de moi vraiment c'est pas facile, profondément, quoi. C'est pas facile. Ah non, c'est pas évident. Comment la connexion s'est faite avec Big Red? Déjà, ça s'est pas fait comme ça, t'as vu? Mm-hmm. Il y a une histoire avant qui m'a emmené dans les sondes. L'histoire avec la brigade, lui de son côté, voilà. Avec. Et t'as vu, je me suis arrêté en 88, 89. C'est la brigade, ça a duré un an. Ça a été court. Ouais, c'était très court. Ça a duré un an. La suite pour Zico, tout ça. Tout voilà, tout exactement. La famille. Donc c'était 89 et après 90, les gens connaissent. C'est que c'est toi la championne. Ce morceau c'est pour les mamas. Je big up toutes les queens. Genre une mère de famille, t'as pas besoin d'un man. Tu élèves tes enfants seuls, tu n'aimes pas avoir mal au crâne.
des gros feats avec Yannis Odua, Reggae Power, ou avec Tyro sur Malcomix. Mais ressens-tu la puissance du Reggae Power? Jano, la fin est proche pour les pourris. Aucune de leurs magouilles ne restera impunie. Avec cette recette authentique, naturelle, façon robotique, pour moi tout ça paraît logique. Even si tu aimes ma mélanine, c'est la tienne que j'aime. Nous faisons tous partie de la race humaine. On peut rien n'a changé. Pas de paix, de justice. Comme si l'histoire n'était qu'une boucle, il tuerait à nouveau Malcomix. En 2020, il apparaît sur l'album La roue tourne de Pierre-Paul Jack pour le titre Clax au pied. Everybody clocking. Clocking to blow. Plus aucun doute quand j'ai mis 10 heures boutre. Personne peut me faire dévier de ma route. Tout ce que je dis, vous dites Clax au pied. J'ai pas le temps pour les TV, j'ai mes Clax au pied. Il apparaît aussi sur un medley avec des rappeurs produits par Pongo Monk, Antisocial. L'homme est vicieux, il fait des trucs chelous, c'est pas normal. T'es pas de mon niveau, t'es à la traîne. Toujours je fous, jamais je ne traîne. Fais en sorte que tous ces cons te craignent. Plus je connais l'homme et plus je deviens antisocial. Ça fait le fou dehors, mais en prison ça chale comme une gare. En 2020, à la grande surprise de tout le monde et même de la sienne, il tourne dans un court-métrage, Mort dans le film, aux côtés de Lord Co-City et Joe Star, réalisé par Mehdi Darlis. Oh, ça vient. Mais vous voulez la bédine, moi ça. Ah ouais. On va parler après ça. Ok? Vraiment? Ok, cool. J'ai oublié ma carte bleue, tu peux faire un petit truc. Sérieux? Ouais. Oh, c'est relou, frère. Galère. C'est relou. Ouais, bah. Demain, sans faute, tu peux faire ça. Vas-y, je vais noter ça, n'oublie pas, frère. Yes, y'a pas de soucis. Ok? Vas-y. Merci. Yes, bien, bonne soirée. Yo, Benjoin, Akata et moi aussi. Déjà? Ben oui, je t'ai dit, frère, c'est la nif de la petite, je vais la chercher, je l'emmène manger ah, la soirée. Ouais, j'ai oublié. Alors moi j'ai une question à te poser au sujet du court-métrage que tu as tourné avec Joe Star et Lord Co-City. Yeah, Tuco, c'est Tuco qui... c'est moi... Non, faut dire les choses. Yeah, parce que sinon Tuco il va être vexé. Tuco, c'est Tuco, moi c'est Tuco qui m'a donné ma chance. Tuco c'est mon petit et c'est lui qui m'a donné la chance de faire mon premier court-métrage. Ok. Voilà, donc il m'a appelé. Un jour il m'a dit voilà Maurice, je suis sur un projet avec mes potes, on fait un court-métrage. Mm-hmm. C'est même pas Didier ou Cos qui sont. C'est lui-même qui fait ça avec ses potes, quoi. D'accord. Donc il a fait son taf, il a appelé Co-City pour jouer dedans, il a appelé Didier pour jouer dedans, et puis il m'a appelé pour jouer dedans, il m'a donné un rôle que je m'attendais pas. Toi, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais, c'est ça, pour toi, ça c'est-à-dire être... que moi, quand il m'a donné le synopsis, t'as eu. Tout le mois, je l'ai pas lu. J'ai resté là, et puis le jour du rendez-vous, ma femme, elle me dit Maurice, tu connais ton texte? Je fais, putain, je connais pas. dans Uber, je regardais le truc et puis je fais, voilà, ouais, c'est long quand même. 2 pages. Ouais, j'ai eu un trimestre d'enculé, je te jure, avec les travaux, les charges, ça m'a niqué. Mais c'est rien ça, frère, on va remonter la pente comme d'habitude. Remonter la pente, t'es marrant toi, mais t'as vu, je vais pas te mentir. Comme c'est pareil, je peux plus te garder, frère. Je peux plus te garder, il faut que je me sépare de quelques staffs, sinon la boîte, elle va couler. Staff? Oh, j'ai pas dit que j'allais pas te payer. Je vais te payer, je peux pas te payer ce mois-ci, mais je vais te payer. Je suis un homme de parole, gros. Fais-moi confiance. Arrête de flipper. C'est mal après. Tout ça en fait, bon, c'est ça encore, dis-moi là. Tout ça en fait, bah, mon. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour toi, moi? T'oublies ou quoi? Je t'ai sorti de la rue, gros. J'ai mis de l'argent propre dans tes poches, frère, pour ta fille, frère. Ouais, gentil quand tu parles, frère. T'as un ouf, toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Tout ça en fait, bah, mon. Bah ouais, toi aussi. Mais enfin, plus sérieusement. On est tous passés par là, mec. On fait du cash. On croit qu'on contrôle. Puis un jour, tu rencontres une femme. T'en as rien à foutre de tout ça. Tout ce qui l'intéresse, c'est la stabilité. Que tu sois là, tout le temps pour elle. Tu les vois, les plans, là? Nous, on passe des nuits entières à bosser sur les plans. On fait des croquis, on fait des schémas. C'est carrément de la science-fiction. Mais on n'est pas là que pour faire rêver le client. Le client, il faut le choyer. On est là pour anticiper. On est là pour rassurer. Bah, tu vois, les femmes, c'est pareil. Et en fait, le truc, tu vois, c'est simple. Ça, c'est en fait, moi, je l'ai fait, tu sais quoi, au fini. Je l'ai fait comme en fait, je voyais comment était le cinéma. Moi, je suis un cinéphile de ouf.
C'est-à-dire que moi, tu vois, je regarde les films, je vois quand un mec il joue mal ou il joue bien, tu vois, je connais les trucs, même si je suis pas acteur, quoi. Mm-hmm. Et j'ai mis ça en pratique et ça a marché, en fait. Tout simplement. Je suis resté naturel, j'ai fait comme si, t'as vu, et tout. Tu t'es mis bien dans la peau du voilà, personnage. T'as vu, j'ai dit, ok, ouais, attends, dans le texte, je peux rajouter un peu des mots à moi aussi pour me sentir à l'aise. Il me fait, mais bon, tu le sens. Je fais, ok, vas-y, c'est parti. Et puis ça a marché, ça a matché, quoi. Yes, donc, ouais, super expérience et j'aimerais beaucoup. Moi, ça m'a donné envie de faire des films. Ah. Ouais. Parfait. Moi, je pense que t'as vu, je pense que je finirai par en faire des films. Mais toi, pas. Bon, c'est clair que les premiers rôles qu'on va me donner, je pense que ça sera des rôles, des trucs de cité, nanana, mais j'aimerais bien faire des rôles aussi, des trucs. Je sais pas, moi, je suis médecin, je suis avocat, je suis keuf. Bien sûr. Toi, là, pour vraiment montrer aux gens que je peux faire le truc, quoi. Bien sûr. Voilà, non yes, ah, man, yeah, man. Yes. En 2021, il sort le single Critique, un bon titre roots. Ne mets jamais la garde dans ce monde, faut tout donner. Aucune moralité, on nous a mis la tête sous l'eau, les temps sont critiques. Il sort aussi un titre intitulé Armada, un autre intitulé Tranquille, avec en feat Baroni One Time et Addis Pablo. Vas-y, laisse-moi tranquille, je veux pas de ta compagnie, je m'assole dans la ville. Je ne crains pas les photos, t'as aidé ton poteau, il te plante un couteau dans le dos. Se aferran al falso ego, manas de zombies siguiendo el juego. Yeah, yo, yeah, yo. Oh, oh. Vas-y, laisse-moi tranquille. Et aussi le titre Vite à vie. Vite à vie, vis la main. Ne t'as pas ton embêtement. Et en 2022, le single Sans Retour sort. Cinq gros singles sortis récemment avec chacun un clip vidéo disponible sur YouTube. Est-ce bientôt l'arrivée d'un nouvel opus? Probablement. On attend ça avec impatience. Vous pouvez suivre son actualité sur sa chaîne YouTube où toutes ses dernières vidéos sont en ligne. En attendant des nouvelles de Daddy Mori, n'hésitez pas à vous abonner, liker et me dire votre avis sur sa musique en commentaire. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve bientôt. Big up, peace!